titre assis dans la selle. Le cheval a fait hack avec son dos, a remonté la tête. Tous. Hein, si on le regarde, c'est tout ça. Donc on va essayer de soulager le plus possible le dos du cheval. On se remet en suspension. Nous avons l'honneur d'accueillir Michel Robert aujourd'hui, qui n'est pas ici en tant que cavalier, mais comme professeur pour les vainqueurs des épreuves de Jockey Club. Parlez-nous un petit peu de vos cavalières d'aujourd'hui. Ben, les cavalières d'aujourd'hui, bien sûr que c'est des championnes, c'est des grandes championnes, parce que je pars de ce principe-là avant tout. Et après, ben, il faut que des mauvaises habitudes qu'elles peuvent avoir ou qu'elles ont prises, ben, il faut les enlever pour qu'elles puissent s'exprimer au mieux possible, quoi. C'est difficile de s'adapter à des cavaliers qu'on ne connaît pas. Quel était l'objectif d'aujourd'hui ? Non, c'est pas difficile. C'est très facile parce qu'on a tous les mêmes défauts, les mêmes travers, etc. Et bon, j'apporte les solutions. L'objectif a été atteint parce qu'elles ont toutes fini avec le grand sourire et elles ont compris plein de choses en si peu de temps. Ouais, c'était pas facile pour ça. Ok, ça c'est bien. C'était super. C'est une chance énorme de pouvoir faire un cours avec Michel Robert. Il était vraiment patient et enfin, j'ai beaucoup appris en si peu de temps, c'était vraiment génial. On a fait d'abord des cercles, des demi-cercles et des lignes droites pour tester l'incurvation du cheval et puis un peu la position du cavalier. Ensuite, on faisait des perches par terre au trot. On a tendance toujours à être un peu trop sur l'arène extérieure, il nous a bien fait sentir ça. Et après, on a fini sur des barres au galop. Vraiment, il a réussi à nous faire sentir en si peu de temps plein de petites choses. Qui font plaisir et qui aideront pour la suite, j'espère. C'était très bien, c'est vrai que ça nous a fait voir des visions différentes, des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler. On va pouvoir progresser ensuite par nous-mêmes aussi. J'ai toujours apprécié parce que c'est quelqu'un de très doux avec ses chevaux. Il est arrivé à un très haut niveau tout en les respectant et c'est vrai que ça a toujours été comme un exemple, on va dire. J'apporte beaucoup d'importance aux animaux qu'on avec le sport qu'on fait.